Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo cette semaine pour la réalisation des fauteuils Jeanneret. Donc là c'est un modèle réduit, les vrais fauteuils Jeanneret je les ai plus, ils ont été livrés chez mon frère, aujourd'hui il s'en sert tous les jours. La vidéo a été tournée en deux étés, donc 2018-2019, du coup voilà, la qualité de l'image n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui sur la chaîne, puisque j'avais pas forcément les mêmes moyens vidéo et même audio. Puisque là, par exemple, je suis en train de filmer avec un GH4 de chez Panasonic et il est équipé d'un micro. Donc voilà, tout le son, il est plutôt bien capté, l'image est plutôt jolie. Et donc voilà. Cela dit, j'espère que la vidéo vous plaira pour le contenu qu'elle vous propose, c'est-à-dire la réalisation de 6 fauteuils Jeanneret. Allez, bon visionnage!
Allez, je réinterviens juste deux minutes pour vous parler un peu du gabarit. Donc le gabarit pour le défonçage de l'emplacement de l'assise et du dossier dans les accoudoirs latéraux, il a été fait de sorte que si on aligne tous les fauteuils les uns à côté des autres, notre référence par rapport au sol, de la distance et de l'inclinaison de l'assise, de la distance et de l'inclinaison du dossier, soit tout le temps les mêmes. Ce qui fait que si on aligne tous les fauteuils les uns derrière les autres, qu'on regarde, tous les dossiers vont être alignés et toutes les assises vont être alignées. Peu importe qu'au moment de la coupe, on ait des petits milles qui se promènent par-ci par-là au niveau de l'angle des pieds ou des choses comme ça. Voilà, ça c'était le plus important. Allez, je vous laisse continuer.
Allez, comme pour le reste de la chaise, on va utiliser du Rubio. C'est Rubio Gritter. Voilà, donc l'assise est déjà faite comme ça. Et on va maintenant faire le reste de la chaise. Allez, j'interviens encore une fois pour comprendre un peu plus. Le canage a été fait différemment entre le prototype qu'on a fait en 2018, donc celui de l'accéléré que vous allez voir après, et les 5 dernières chaises que vous venez de voir assembler en gros. C'est-à-dire que là, vous venez de me voir assembler une chaise, le canage sur l'assise était fait. Il a été fait avant, puisqu'on s'est rendu compte en 2018 sur le prototype que de faire l'assemblage complet de la chaise avant le canage, c'était compliqué. En gros, le canage, on doit beaucoup changer de sens l'assise pour pouvoir attraper de l'autre côté, repasser, viser le trou, etc. Donc, quand on l'a fait après le montage de la chaise, on a vraiment galéré puisqu'il fallait retourner l'ensemble complet de la chaise pour le faire. Voilà pourquoi est-ce que vous m'avez vu faire différemment. L'assemblage était fait après le canage pour les 5 dernières chaises. Enfin, pour finir, le dossier, lui, a été fait à la fin. Pour les 2 chaises, il a été fait assemblage fini. Puisque le dossier, finalement, il suffit de se mettre et de se tourner d'un côté ou de l'autre du dossier. On n'a pas besoin de retourner la chaise pour faire ça. Voilà, je vous laisse continuer. Allez, c'est fini maintenant la vidéo. J'interviens juste pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, effectivement, la qualité vidéo n'est pas forcément la même qu'elle peut l'être aujourd'hui. Mais je pense que les étapes, vous avez pu les voir. J'ai fait en sorte de vous montrer les petites astuces, notamment le gabarit, le module pour faire les queues droites sur les assises. Donc ça, à l'assise sous table, ça se fait vraiment pas mal. Voilà.
Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end. Allez, ciao.